Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Alors, on en était à chercher des meurtriers qui ont apparemment empoisonné toute une colonie d'Angara. Donc l'indicateur me dit d'aller là-bas. Donc on va y aller. On y va. On n'attend pas. Bon. Ouvrez l'œil. Essayez de trouver quelque chose en rapport avec les Angara empoisonnés. Ah, d'accord. De l'iridium. Donc ça va être quelque part par là. Complètement vide. Ok, rien à scanner. On va examiner le datapad. Riley, surveillez-le. Il s'est plaint de vous savez quoi et je ne veux pas que vous savez quoi qu'il l'apprenne. Rappelez-lui son serment. Et s'il n'en fait qu'à sa tête, eh bien, ça fera une mouche de moins à nourrir. Malotte. À propos de ces mâles. D'accord. Des filtres à eau. Le modèle correspond à ceux de la ville Angara. Hein. Donc les exilés ont volé voilà. De filtres des Angara et ils les ont empoisonnés par-dessus le marché. Il y a peut-être une autre explication. Hey. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai une meilleure question. Où est-ce que vous avez trouvé... Justice! Laissez tomber. Tant que vous le pouvez encore. Ah, mais j'ai aucun doute, mon gars. Je ne poserai pas la question. Où est-ce que vous avez trouvé le modèle de ces filtres? C'est une longue histoire. Vous ne pourriez pas comprendre. Ah non, c'est sûr, je comprends pas. On ne pouvait pas payer les frais de protection de Sloane. Alors elle nous a foutu dehors. Oh. On est venu demander de l'aide aux Angara. On crevait littéralement de faim. Mais au lieu de compatir à notre sort, ces ordures nous ont saigné à blanc. Nos crédits, nos vêtements, nos armes. Oh, pauvre petit chat. Pas tout. Vous avez survécu. Vous vous êtes installé ici. Les Angara sont les seuls à savoir filtrer correctement l'eau de cette planète. Tout ce qu'on voulait, c'était être autonome. J'ai proposé de payer pour le modèle. Ils ont refusé. Alors vous les avez empoisonnés. Et on a récupéré leur petite affaire. Les Angara méritent justice. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Ah ouais? Tuez-les. C'est vrai. Voilà. Oh, toi, mon gars. Ça, c'est du travail d'équipe. Voilà, il est mort comme un caca, mon gars. Et toi, qu'est-ce que tu veux, là? Ah! Voilà. Un petit bout de glaçon. Ah, mais il en reste! Pionnier, l'intérêt d'avoir entré le transpondeur Terre de près d'ici. Je renforce tous les boucliers. Combo cryo. Au moins, les Angara ont obtenu justice. Excellent. Vous avez bien fait, pionnier. Ouais, j'ai bien fait, ouais, c'est sûr. De toute façon, je l'ai fait. C'est trop tard. Même si c'était pas la bonne chose à faire, c'est trop tard. Et puis, les gens qui tuent comme ça... Après, c'est vrai que les Angara ont été un peu vaches, mais c'était pas une raison pour les tuer, quoi. Ils ont été un peu vaches dans le sens où c'est vrai qu'ils ont pas voulu leur faire filer la technologie, machin, ils leur revendaient de l'eau. Mais bon, hein.
Ah, il déconseille de toucher les draps. Arc. D'accord. En plus, ils couchaient tous ensemble et tout. Arc. C'est dégoûtant. Ok, alors, registre des visiteurs. Boyle, Lee, oh, dîner, ration de voyage. Advesa, Lee, oh, Xenor, Lee, oh, ration de voyage. Zvos, Lee, oh, dîner, je suis Lee, oh. D'accord. Ce que vous faites dans votre couchette vous regarde, mais gardez le volume sonore au minimum. Le vol, le meurtre et la violence ne sont pas tolérés. Ah bon? Donc on dirait pas. Vous n'avez accès qu'à votre couchette et aux parties communes. Les repas sont servis à des horaires stricts. À vous d'arriver à l'heure. On se réserve le droit de vous foutre dehors si ça nous chante. Super. Ça donne envie de rester. Une fois, je suis sorti avec une humaine qui aimait la mythologie. Malox. D'accord. C'est quoi ce nom? Quel nom? Ok, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour ici. Hein. On sait qu'ils faisaient des cochoncetés dans leur couchette. C'est dégoûtant. Ah! Bon, bah, j'ai tombé. Mais je m'ai pas fait mal. Ok. Voilà, donc tout ça, c'est fait. Il nous restait un bâtiment ici, je crois qu'on n'avait pas visité, donc on va lui faire. Y jeter un petit coup d'œil. Oui. Bah alors. Bah alors, Ryder. Ok, bon. On va faire le tour, on va prendre les escaliers, ça sera bien plus simple. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est bien mieux comme ça. Ok, alors. On a un petit datapad ici. Au vu des derniers rapports des sources d'eau toxique dans les Badlands, les plans de colonisation à grande échelle ont été annulés. À sa place, la zone sera fermée et transformée en colonie pénitentiaire. Quiconque refuse d'évacuer le fait à ses risques et périls, vous serez considéré comme résident permanent du territoire et ne serez pas autorisé à revenir. Sloane Kelly, d'accord. Je l'aime vraiment pas, cette Sloane. Oh, bonjour. Vous êtes au courant que je viens de buter tous vos potes dehors? Comment vous avez franchi les mines? Quelle mine? Quelle mine? Ces foutues charognes ont encore dû les désamorcer. Hein. Ça vaut sans doute mieux. Placer des mines devant chez vous, c'est pas l'idée du siècle. Pourquoi? Vous êtes paysagiste? Non, je suis visiteur. Et je suis content d'être en vie. Visiblement. Datapad. Nouvelle entrée. Les nouvelles mines ont disparu. Saleté de charogne, je vais plus m'embêter à les mettre en place maintenant. C'était juste une précaution débile. De toute façon, si quelqu'un a les couilles de m'affronter, je me ferai un plaisir de relever le défi. Fin d'enregistrement. D'accord. Bah écoute, tu fais comme tu le sens, mon gars. Et là, ça aurait peut-être valu le coup de venir le voir avec, avec Drax, en fait. Mais d'ailleurs, c'est peut-être une mission, ce gars-là. Je suis en train de me dire. Faudrait voir. Bon, de toute façon, on sait où il est. Si jamais on a besoin de revenir le voir, hein, on sait où le trouver. Il y a encore du lithium ici, mais il y a du lithium partout, mais c'est formidable. Ah, mais il y a un étage là-haut. Ah, ça doit être le toit. Ça doit être l'accès au toit. Oui, c'est ça. Donc, aucun intérêt d'être ici. Voilà, ok, et ben on va pouvoir remonter à bord, je pense, puisque du coup on a réglé ce petit problème. Donc mission terminée, hein. Voilà, au trouble, c'est fini, on les a butés, appel d'urgence, c'est fait aussi, on est pas mal, hein. On est pas mal. Non, en fait, je voulais regarder la carte plutôt. Voilà, puisque sur la carte, on peut avoir directement les missions et notre position. Et du coup, minéraux, se renseigner sur le lien de Spender avec Kadara. Obtenir des échantillons plantes. Ok, donc ici, il y a un truc à déposer. Ça, c'est quoi? C'est une structure, une cache trouvée. Ok.
caches trouvées. J'ai trouvé des caches. Non. Là, il y a un point d'intérêt. Une cache. Ça, c'est quoi? Chasse à l'arcontre. Récupérer les transpondeurs Kert dans les Badlands. Ok. Bon, on va se faire ça. Voilà. Du moins, on va commencer. Alors. Ah, c'est vraiment pas loin. Hein. C'est là-bas, 78 mètres. Ah bah d'accord. Ah bon, on a bien fait de venir ici, je vous le dis, moi. Par contre, je me suis un petit peu garé à l'arrache, là. J'avoue. Alors, lequel d'entre vous me prête sa voiture? Ok. On a trouvé. La source d'alimentation du transpondeur est épuisée. Ok, avec une nouvelle source. Recharge. Une fois allumé, Gil s'occupera du reste. Parfait. Quand il fonctionnera, il devrait nous fournir la position de l'Arconte qui nous permettra à son tour de trouver celle de Méridiane. On progresse, c'est très bien. Bravo, félicitations à tous. Ouais. Ce qui nous attend, c'est du gâteau. Bah c'est bon le gâteau. Pourquoi? Ça te plaît pas? Maintenant que c'est fait, vous pourriez peut-être parler à Reyes des meurtres de Port Kadara. Consultez vos emails. D'accord. Mission Deleus. Kadara. Meurtre à Port Kadara. Parler des meurtres à Reyes. Colonisation de Kadara. Purifier Kadara. Médecine moderne. Non, mais on va continuer à choisir nos quêtes sur la carte, mon grand. Parce que voilà. Donc, ça, c'est des échantillons de plantes, donc du coup, c'est pas très loin, on va y aller. Hop. On remonte dans le véhicule que j'ai garé. Voilà. Voilà. Et le truc devrait être pas trop loin, en fait. Ça devrait être dans ce coin-là. Voilà. Pionnier, mes capteurs détectent un échantillon de plantes d'Andromède dans les environs. D'accord. Je vais mettre juste garé dessus, vous allez voir. Non, ça a l'air d'être là-bas. Non, ça c'est du lithium, mais c'est pas grave, on le ramasse quand même. Puisque le lithium, c'est toujours utile pour fabriquer des trucs. Alors, où est cette petite plante? Petite plante, où es-tu? Il me dit là. Là, il me dit que je m'éloigne. Bon, aidez-moi, vous autres, là. Cherchez la plante. Ça passe truc dans l'eau?
Ah bah si, voilà. Cette bande ressemble à certaines algues connues et en est peut-être une descendante. Elle n'est pas particulièrement nutritive, mais constitue un bon apport en vitamines et a un goût agréablement rafraîchissant. Eh ben. Ok, on ramasse. Et voilà, on a notre échantillon de plantes. Alors attention de ne pas mettre les pieds dans le... Par contre, je suis sûr qu'il doit y avoir des cadavres par ici. Il doit y avoir des mecs morts. On en est à 6 sur 10, c'est pas mal, c'est pas mal. Plus de 4, et je crois qu'il y en a encore un sur cette planète, donc... Je suis sûr qu'il y a des cadavres ici. Pas pourquoi. C'est le genre de coin où ils ont l'air de d'aimer les jeter. Voilà. Bah peut-être pas finalement. Cette eau est extrêmement toxique, pionnier. Ouh. Restez ici est fortement déconseillé. Ouais. Non, bah, apparemment pas. Mais il y a des gens là-bas. Et ici, il y a. Il y a un truc qui bip. Il y a un truc qui bip. Il y a un truc qui bip dans le coin. On peut pas s'accrocher à ça? Non. On peut pas. Ah! 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 Non, je vais tomber dans l'eau! Rester ici est fortement déconseillé. Ok, bon, ça me saoule. Bon sang, ça fait mal. Oh, ça va, tu vas pas te plaindre non plus, hein. T'as connu pire? Alors, est-ce que ça va passer si je fais ça ou... Ouais, ouais, d'accord. Ça fait toujours mal. Ok. Voilà, une tout ça pour ça. Hein. J'ai enregistré les informations pertinentes. Merci. Ok, alors est-ce qu'on peut repartir par là? Sans risquer de mourir comme un caca. Non, vous savez quoi? On va pas prendre de risques. J'ai déjà assez joué au singe. Belle journée pour se balader, hein? Vous en faites pas pour notre pote, il est juste fatigué. Vous êtes qui vous? J'ai dehors la loi. D'accord. Allez. Ah. On retourne au nomade. Et du coup, il va être temps de s'arrêter. Il est largement temps de s'arrêter. Ouh là 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 là. Alors, eh bien, comme d'habitude, vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures dans la galaxie d'Andromède.